Il existe quatre différents modes de chauffage électrique. Le convecteur est le système le plus simple et le plus répandu. L'air ambiant entre par la partie inférieure de l'appareil et se charge en chaleur au contact de la résistance électrique. Il remonte ensuite dans l'appareil et ressort par le haut. Cet appareil produit de la chaleur rapidement et est particulièrement adapté aux petites pièces bien isolées. Le rayonnant utilise deux principes pour diffuser la chaleur, le principe du convecteur et le rayonnement. Ce dernier chauffe une plaque d'aluminium qui propage son flux de chaleur en ligne droite. Ce type de chauffage diffuse la chaleur de manière homogène et directe. Le radiateur électrique utilise l'inertie thermique, qui permet d'emmagasiner la chaleur soit grâce à un fluide thermoconducteur, soit grâce à un corps de chauffe en fonte ou en aluminium. Il la restitue de manière homogène et diffuse. Ce radiateur apporte une chaleur douce et procure une forte sensation de bien-être. Il permet en outre une montée en température rapide et une régulation très précise. Le plancher rayonnant, quant à lui, procure une incroyable sensation de confort. Une résistance chauffante, noyée dans la chape de béton, chauffe le sol sur toute sa surface de manière très homogène. Les murs sont libérés de toute installation de radiateur et ouvrent un maximum de possibilités pour votre aménagement intérieur. Idéal pour les constructions neuves.